et jeter un coup d'œil derrière. Les gars, ils montaient par là. Ouais. Ils arrivaient là. Vous aussi? Ouais. Ah, ouais, ouais. On est sortis là, un peu, ouais, non, 10 mètres en dessous, tu vois. Ah, Michel, ils arrivaient par là, les gars. Plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas, par là. Là-bas, là-bas. Ouais. Parce que nous, on est arrivés par là, ils étaient un peu plus bas, à 15 mètres. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde les pistes de Villard-de-Lans aussi, là-bas. Ouais, ouais, c'est encore blanc, là-bas. Hein. Ouais, ouais, pas les pistes. Hein. Fraîche. Hein. C'est frais, oui. Et vous, c'est là-bas que vous grimpez, hein? Bah, en fait, nous, aujourd'hui, on est sortis juste là aussi. Ah, ouais. On voit là, on est ici. Michel, tu t'en fais gaffe. Pas. Ah, oui, là. Ah, oui, là-bas, c'est lisse. Recule-toi. Non, mais de ce côté, on voit mieux. Tiens, écoute, ça, c'est pas. C'est lequel? C'est là, là. Tout de suite après la grande moucheronne. Après la grande moucheronne, non, mais c'est pas tout de suite après. C'est l'autre après. Ouais. L'autre en taille d'après. Avec les deux sœurs, la Sophie et Agathe. Je sais pas laquelle est laquelle, d'ailleurs. La tête des chaudières, on voit. La grande moucheronne, la petite moucheronne, et la tête des chaudières, c'est après. Ouais, on descend dans le pas de la balme. C'est le pas de la balme dans le trou. Ah mais j'avais verrouillé. Oh, t'es pas obligé. Je suis pas obligé. Ah si, il y a un banc quand même, il n'y a pas que la table. Il y a une table, je crois. Ah ouais, il y a deux bancs, ouais. Ah mais il y en a qui doivent venir manger, là. Bon. Non. Voilà, il faut trouver des bonnes prises. Ouais, il faut grimper un peu, là. Mais il y a des prises. Ouais. C'est bon. Voilà, c'est calme. Il faut bien dur. Ah super. Bien là, hein, pour garde. Ouais. Tu peux bivouaquer, tu peux faire le pique-nique avec tes copains là. Beau point de vue là. Ouais. Ouais. Tu traînes, hein. Bah oui, là, qu'est-ce que tu veux, je suis vieux. Par contre, vu comme il a le sourire, ça a l'air d'être une expérience qui a été douloureuse. Ah, mais... Michel. C'est impeccable. Là, il y avait deux gros pylônes, là, espacés de 7-8 mètres. Et puis, ça, il y avait une ligne qui descendait là, qui allait à la... Une ligne électrique? Oui, une ligne électrique. Et puis là, il n'y avait pas d'arbre, ça faisait une tranchée. Mais regarde, là, il n'y avait pas d'arbre au début. Non, il n'y avait pas d'arbre. Point d'arbre. Point d'arbre, puis ça faisait une tranchée. Puis un peu plus loin, il y a une autre colline, il y avait d'autres pylônes. Ça rejoignait, puis ça allait sur l'île arbre là. Ouais, ça fait une belle piste, ça voit. Je pense qu'il n'y avait pas d'arbre ici. Ouais. C'est là. Pareil, en ski de fond, c'est là. Bah, tu vois, la route, elle est juste là-dessous, la fameuse route que tu dégorges. Tu vois, c'est... regarde les toits, il y a une maison là-bas. Ouais. Ouais. Là où on se donne rendez-vous si un jour on n'arrive pas à remonter notre voix, voilà. C'est ça? Tu viens nous chercher? Mais le problème, c'est que peut-être le portable n'y passe pas là-bas. Ah oui, non, ça c'est possible aussi. Hein. Tu téléphones de là, le temps qu'on vienne, vous descendez. Ah oui. Ça dégage. Allez, viens! C'est bon! Il voit derrière, chasse-neige. Là, ça dégomme, ouais. Quand c'est bien tracé, c'est pas un problème. Mais quand c'est verglacé, c'est le chose.